8000 véhicules empruntent chaque jour le carrefour de l'Alouette. Mais depuis ce lundi, les automobilistes devront quelque peu dévier leur trajectoire s'ils veulent pouvoir entrer ou sortir de Tours. Des travaux importants vont être réalisés, notamment une réhabilitation du pont qui va nécessiter sa fermeture pendant 9 mois. Les deux appuis d'extrémité de l'ouvrage seront entièrement refaits, de même que le remblai aux abords, l'étanchéité et bien sûr le revêtement de la chaussée. Ce chantier nécessitera une opération spectaculaire en juillet prochain, puisque le tablier du pont sera soulevé pour permettre la reprise de ses appuis. Pendant ces différentes phases de travaux, la circulation va donc être modifiée. L'avenue de l'Alouette, qui est d'ordinaire une double voie montante, sera mise partiellement en double sens avec une voie descendante qui sera déviée vers le giratoire situé sous le pont. Si pour le moment le trafic ne semble que légèrement perturbé, les bouchons devraient être à craindre à partir du 1er avril, date à laquelle le pont sera coupé. Fin des travaux prévus en décembre 2015.